Et je dis à c'est une autre vidéo. La vidéo qu'on a fait aujourd'hui, hein, c'est une biographie de George Floyd. George Floyd, nous connaissons qui est trouvé la molly en bas de 4 policiers. Et côté que yon te mette pied sous coulis dans la semaine qui t'est passée là. Et demain, si Dieu veut, c'est va. Funérailles, monsieur, côté que funérailles, pour le faire en privé avec famille, amis, après que vous avez chanté plusieurs funérailles pour lui dans plusieurs autres États, dans les États-Unis. Eh bien, je dis à nous de faire une biographie de George Floyd pour nous dire qui est lié, pour nous dire qui est lié et côté le sorti, tout ça. Eh bien, George Floyd, monsieur était prend naissance li dans une zone qui relie Fayetteville. Fayetteville, c'est en dans Caroline du Nord qui est lié. North Carolina. C'est la Fayetteville City. Eh bien, George Floyd, après qu'il ait fini prendre naissance li là, il était levé dans une zone qui relie Cooney Homes là. Il situé dans Houston, Texas. Eh bien, c'est là, monsieur était levé. Eh bien, monsieur, c'est un nègre, monsieur était haut en pile. C'était 6 pieds, 4, et puis monsieur était gros nègre tout. C'est ça qui fait famille, à amis, et bah, monsieur, on t'a dit, monsieur, géant, on t'a dit, monsieur, c'est un géant qui est monsieur, parce que monsieur était haut en pile. Il était gros en pile, j'en ai parlé dans la vidéo, à toutes les minutes, monsieur, nous sommes gros nègres. Wow. Eh bien, monsieur te fait études primaires dans l'école qui est Yates High School. Yates High School, c'est là monsieur te fait études primaires. Il te joué basketball et puis il te joué football américain tout pour l'école là. Eh bien, et monsieur, c'est lui-même qui te menait et l'école là, équipe football américain l'école là. Dans l'école là, monsieur te menait au dans final ça veut dire non son grand final qui fait après toute finale qui fin fait dans district côté oyen il y a un grand final qui fait pour tout pour chaque district qui dans état et bien monsieur te mené l'école par là dans gros final ça c'est moun ça que monsieur et bien on avance monsieur Monsieur te gradué en 1993 et bien c'est là tout monsieur te vin 1993 il était gradué dans high school il était terminé études primaires et bien monsieur te vin aller dans monsieur te vin aller dans il dit que monsieur te vin aller dans l'école, dans la communauté collège, dans le sud Floride, là. South Florida Community College. C'est là que monsieur était allé, il a fait études secondaires, il est allé dans le collège, c'est là que monsieur est allé dans le collège, et puis il jouait basket, il était joué basket pour l'école là, pendant 2 ans. Il était joué basket pour l'école là, après il était venu transférer, il quittait l'école ça, il est allé dans une autre école qui est le Texas A&M. Son l'école qui est très populaire, surtout dans le sport, basketball, football, Texas A&M, très populaire en pile. C'est là que monsieur était venu transférer, c'était venu aller dans l'école ça. Mais, il n'a pas arrêté de jouer basket pendant qu'il était dans l'école, là, il était quitté basketball là. Il était commencé à jouer basket pour après, il était venu quitter basket là. Eh bien, monsieur était venu retourner Houston encore. C'était venu retourner Houston. Pendant le retour à Houston, il était venu jouer pour une équipe. Ce n'est pas une équipe professionnelle tant qu'on a NBA, mais son équipe locale. Il était venu jouer basket pour l'eau dans Houston. Et dans la zone, il était venu jouer basket pour lui dans Houston. Il n'était pas seulement joué sport, c'était un rappel.
C'était un rappel, il était qu'on performait. C'était un groupe l'enterrelé, un groupe rap, mais c'était le groupe l'enterrelé Screwed Up Boys. Screwed Up Boys. Et comme ça, groupe l'enterrelé, eh bien, il s'était qu'on fait plusieurs performances, c'est à performer dans le groupe ça. Eh bien, après, et tout ça, monsieur, encore, t'as gagné l'autre bail, il t'a réglé dans la communauté, hein, et des bons bails, des bonnes choses que monsieur t'a fait dans la communauté, hein, bah, ça, oh, surtout toujours dans la musique là. C'était dans la rap musique là, mais c'était tant qu'on leader dans la zone là et toujours à performer par SAO. So, c'est ça que dit nous. C'est devenu commencer à l'église. C'est devenu commencer à l'église dans Houston, dans l'église locale dans Houston là. Eh bien, en 2014, l'année 2014, mais c'était venu move. C'était à beauté, l'arrêté dans la zone qui est le Minneapolis. Côté qui il trouvait la mort là, c'était venu arrêter dans Minneapolis et dans l'État Minnesota. Et monsieur était à travail et job liant son job côté qui l'État conduit. Et bien, il dit nous, dans l'année. Pendant que monsieur était fin mou, Minnesota, quand il a été par SAO, eh bien, et dans 2017, l'année 2017, c'était venu faire un film et une vidéo, et une vidéo côté pour parler avec jeune Timoun, pour ne pas utiliser les armes, pour ne pas utiliser les armes. Bah, ça pour pas utiliser les armes pour faire violence sur le monde. Bah, ça veut dire que monsieur est converti, monsieur a devenu bon pour lui. C'est à prêcher un message de changement pour le monde pas utiliser les armes, pour tout le monde, pour les jeunes pas utiliser les armes, pour tout le monde. Eh bien, en 2021, il s'est devenu perdre job. Job qui un job sécurité que monsieur a fait. Eh bien, job sécurité ça. En 2020, il vient perdre job li, même j'ai un pile moun vient perdre job yo à cause de COVID-19 là, coronavirus là. Pile moun perdre job yo. Et bien monsieur était un dans moun ça qui perdre job li, c'est job sécurité que monsieur t'a fait. Eh bien le 25 mai 2020, monsieur est allé dans un store dans local là, dans environnement côté monsieur était là. Et monsieur était gon 20 dollars sous lui, même avec mon lot. Frère lui, il est allé dans le store, il a allé acheter un bail, et puis là, il veut mettre le store, dit que 20 dollars pas bon, sont faux 20 dollars. Et bien, mettre le store, il a tiré les polices. Monsieur même pas couru, il était chita dehors dans la machine. Bon, comme si, comme les gars n'amènent, s'il connaît 20 dollars pas faux 20 dollars, il va obliger vous courir pour la police, avec des enfants qui mal. Pas oublier, monsieur était en train de changer la ville, l'église a fait ça qui est bon. So, les polices l'ont venu, et il y a quatre polices qui arrivent, et il y a un qui a l'embo par monsieur, et Jean-Frère monsieur a témoigné, et puis il y a un qui a l'embo par frère, mais c'est Georges qui était sous volant, et pendant monsieur même, police l'a parlé à l'autre frère, il capte attention, et puis l'autre police a frappé bien fort avec bâton sur Félix Jean-Jean. Jean-Jean, il dit, monsieur, bah, c'est là pour descendre vite machine là. Eh bien, c'est comme ça. Eh bien, c'est comme ça. Et policier, t'es venu arriver, les points, monsieur, les minotés, et fait plusieurs virées retourner dans le coin, mais t'es monsieur Chita, tout bas, ça. Eh bien, à la fin, police là, mette monsieur à terre, allez mettre cool, pied, genou, sous cou, monsieur, la pèse, monsieur, tout minoté, deux bras de dos, et puis tout dit, Georges lui-même là, dit police là, consacré. Il pas qu'à respirer, la prise les mamans, bah, ça a l'air, ouais, la prise les mamans, police là, pas jamais occupé, il
li kontinye ap peze, epi mwen kite la ka filme yo, ya bat pou yo ale retire misyon ba men polis la, epi te moun lot polis anko, kap bare moun yo, pou moun yo, pa al retire misyon ba men polis la. Ebyen, se la, misyon te touve lan moun li, ba men polis la, nan mini a polis, e 25 May 2021, ki sot pase la, ou yon $20 kel ta l'achete avek li, e met sto a te dike, met boutik lan te dike, se yon fo $20 ke li, li pe li la polis. Ebyen, dapre autopsi report, ki soti an, e yo jwen ke, rezon ki fe misye mouri an, se paske misye vin, e air pa pase, nan goj misye ni nan el, a di vin pa ka respire, air pa rentre nan servo li, san pa sikile, air pa rentre anken kote, e bien se air ki pas rentre anken kote nan pou misye ki pa sikile, ki koz lan bon misye jounen jodi an. E bien, lan bon misye, lan bon George Floyd, jounen jodi a, ki vin fè ke tout pep Ameriken an leve kampe nan tout 50 etat, yap mande yon chanjman pou tout moun noa ke yon tap siye pou gran mesi, ki pa jam gen yon revendikasyon ki fè, pa jam gen jistis ki fè pou sa, e men tout moun ap mande jodi a, tout moun leve ap mande jistis, e se pa selman pep Ameriken an ki leve, nou en an pil peyi kou liye a la, moun ap fè pil manifestasyon, yap mande jistis pou George Floyd, non selman yap mande jistis pou misye yap rele abaras e sabay ki rele rasis la, e non selman, e pa rele selman abarasis la pou isi da les Etats-Unis, yo rele pou tout kote nan moun planet, dap gade yon manifestasyon nan peyi Germany. Kote ke dam, yo tap interview yon dam nan manifestasyon an, dam nan defè konen ke, se pa se la les Etats-Unis ki gen rasis lan, e men misi tou nan peye Germany, e yo rayi nou a yon pil, nou a pa gen privilej, si yon blan ta gen yon ba avon noa, se nou a ke nou a an to, ke gen rezon se di men kap pase pou an to, a di ke pa gen jistis pou moun noa, preske piyes kote nan moun blan. On van preske piyes kote nan moun blan. E ki sa sa avre di? Ki sa sa avre di pou yon peyi tan pou Haiti ki se maman liberté, ki se yon peyi jiska met nan ki di yon chay la pote sou dol, a koz ke se li menm ki te premier fè revolisyon an, ki te pran independans li, ki vin koz ke esklavaj aboli nan moun sa. Sa se yon lot iswa nou ve pou nou vini avek li, e nou ve pou nou pale sou sa yon lot le. Ebyen, mwen di ke, mwen bien kontan, pou moun kap gade videyo sa, biografi sa, George Floyd, pou nou te konen istwa misye, pakou li, e ki eske l deye, jounen jodi a ki pouve lan bol, e a koz ke li se yon noa, e ki vin koz tou, vin gen yon revolisyon, total ki leve nan moun lan, e nou pa konen kote sa prale, kote sa aprive, e mwen di nou mersi, Est-ce que vous avez regardé la vidéo ça? N'a pas encore. Une autre fois.